Godin Nicolas, adjudant chef dans le groupe R. Dunkel Barbier, Jean-Benoît, membre de R. Finalement, ce film, on croit le connaître, parce que l'image de la Lune avec la fusée est tellement emblématique. Je crois que c'est une des images les plus connues du monde. Donc, finalement, tout le monde se dit « Ah oui, le voyage dans la Lune, je vois ce que c'est ». Mais finalement, non. Le film en lui-même, quand on l'a découvert, donc elle avait la copie de travail, on a mais complètement flashé. Alors là, vraiment avec le cœur, quoi. C'était assez bouleversant de voir ce film. Et à partir de là, ça a été... Je dirais que c'est pas que c'était facile, mais ce coup de foudre par rapport au film a vraiment aidé à libérer la musique, à que tout se mette en place d'une manière assez fluide finalement. Pour moi, c'est une œuvre surréaliste, quelque part. Donc, en tous les cas, cette œuvre contient un petit peu le côté absurde, le côté rêveur, le côté poétique du surréalisme. Et pour moi, voilà, je me suis dit, c'est parfait, c'est très beau. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, y a un truc qui m'a vachement aussi, que j'ai découvert dans le film. C'était que je voyais Méliès comme un vieux papy, et c'était les films en noir et blanc. On a cette image un peu poussiéreuse de tout ça. Et quand j'ai vu toute cette bande de dingues en train de faire ce film, je regardais les visages des danseuses, des comédiens, des gars qui. On avait l'impression d'être avec eux au moment de tourner. Et quand ils bricolent, là, on sent qu'il y a une super ambiance sur le plateau. Et je regardais de près, c'était des jeunes, plus jeunes que nous, quoi. Et on oublie toujours que. Parce que pour nous, la jeunesse, c'est la jeunesse. Et alors qu'en fait, à chaque génération, il y a de la jeunesse. Et c'est la même énergie. Et que ce soit même dans la musique classique et dans le cinéma, les premiers jours du cinéma, c'était des jeunes, en fait, qui faisaient ça et qui avaient la pêche, les mêmes qu'on fait après dans les années 60, le rock. Quand on dit musique de film, en général, on fait un thème et on arrange ce thème différemment suivant les scènes. On le fait triste, gai, rythmé, lent. C'est un exercice de style à la Queneau, c'est-à-dire que comment, avec le même thème, on joue autour de ce thème-là et on l'arrange pour accompagner les différentes étapes du film. Et là, il n'y avait pas de dialogue, donc en fait, la musique ne s'arrête jamais. Et donc là, pour un petit film de 12 minutes, il a fallu composer autant de thèmes qu'il y a de tableaux, donc beaucoup plus que pour un long métrage de 2h30, où c'est plus ou moins, je dirais, ou alors à la limite, il y a deux thèmes, il y a le thème gay, le thème triste, et puis on brode autour de ces deux-là. On a commencé par le début. On est allé au plus difficile, parce que le premier tableau est assez long, donc il est explicatif, donc il fallait trouver un certain angle. On a commencé à mettre un certain tempo avec des accords derrière qui étaient détunés, tout ça, et donc ça fonctionnait. L'idée, c'était de ne pas faire parler les gens, donc de ne pas garder cette idée du body menteur et de faire l'inverse de Walt Disney qui faisait parler des animaux. Nous, on voulait vraiment que les êtres humains s'expriment avec des bruits d'animaux et qui correspondent un peu à leur mentalité. Et quand j'ai vu ce type qui trace son trait, et que tout le monde s'est scandalisé par ça, et le traite de fou, et c'est vraiment ce côté, c'est poulailler, c'est pour ça que je voulais des bruits de poules, je voulais ce côté cancan, tout c'est vraiment, c'est toujours la société qui veut toujours vous dire, ah bah ça va pas être possible, parce que moi je me rappelle quand on était petit, on voulait être musicien, les gens nous disaient, ah mais il y a une chance sur 1 million que ça marche, il y a toujours cette espèce d'énorme d'inertie comme ça qui nous empêche de faire nos rêves. Et j'ai trouvé ça, ce type-là qui il fait son truc d'une manière complètement parce qu'il y croit, et puis il se retourne et il voit qu'en fait il n'est pas du tout suivi et que tout le monde le prend pour un fou, quoi. Et ça, ça m'a débloqué en fait dans la composition de la musique du film. Je sais qu'après on a dû trouver une partie au milieu, une partie à la fin et... On avait déjà une musique qui pouvait coller, puis on a réenregistré par-dessus, voilà, on a fait un premier montage assez rapidement la première semaine avec plus ou moins des passages qu'on avait, et puis après on a réenregistré par-dessus, on a tout agencé et voilà quoi, ça s'est fait touche par touche. L'important c'est l'introduction et la conclusion et entre toutes débrouilles quoi. Donc je pense que pour nous c'est un peu une règle de base dans tout ce qu'on fait.
Donc on savait qu'on avait l'ossature globale et là c'était on en est soulagé et à partir de là ça a été un vrai bonheur. Le feeling est développé par la musique ou l'idée qu'on s'en fait va coller à l'image, au film ou non. Et il n'y a aucune loi qui peut le prévoir ou quoi que ce soit. C'est vraiment au feeling, ça dégage une émotion. Les deux dégagent une émotion et voilà. Donc on essaye, on essaye, on essaye sans arrêt. On s'est dit, on va faire la musique du film, comme si on avait, à l'époque, on était dans l'équipe là, des gens qui bricolaient, nous, on était les compositeurs du film, quoi. Ce qu'on voulait à tout prix éviter, c'est toute cette mode de gens qui mixent sur des films. Je voulais vraiment être un artisan qui fabrique une musique d'une manière traditionnelle, dans l'esprit du film. Je trouve que quand on regarde le film de Méliès avec notre musique, ça passe comme une lettre à la poste. Et on se dit pas, tiens, je regarde un film de 1902. Ça, c'est super important. Les gens regardent le truc. Quand c'est fini, ils se disent, waouh, c'était génial. Mais ils disent pas ça pour notre musique. Ils parlent du moment qu'ils ont passé, quoi. Et ce que je voudrais, c'est que la musique, au moins, qu'on a faite, elle serve à ça, en fait. Elle serve à ce que un spectateur de 2012 regarde le film comme il regardera autre chose et qu'il prenne du plaisir. Le film est extraordinaire, donc du coup, il suffisait juste de saupoudrer d'émotions et de vérité et de franchise. Surtout pas de fausseté, surtout pas de son trop à la mode ou branché ou de style de maintenant, justement, quelque chose comme dit Nicolas, quelque chose d'un peu universel, un son complètement timeless et beaucoup, beaucoup d'émotions, quoi, vraiment. On voulait garder le côté bricolé du film, même si c'est un bricolage de génie, mais ce côté comme ça, organique. Donc la musique, il fallait pas qu'elle soit, je dirais, aseptisée. Donc c'est vrai que les nouvelles technologies, choses comme ça, on voulait garder le côté organique, le côté bricolé, même par exemple collé à cet esprit, à cet état d'esprit qu'ils avaient à l'époque. Et je sais que pour les bruitages, on n'a pas utilisé des banques de son, des choses comme ça, on a utilisé un mellotron, qui était un instrument qui était dans les théâtres à l'époque ou dans les radios. Et quand on faisait des pièces à la radio, on s'en servait pour faire les bruitages, les planchers qui grincent, les choses comme ça. Donc on a voulu. On s'est mis un peu dans la peau de compagnons qui font du travail à l'ancienne. Et c'est pas du tout rétro comme attitude, puisque la musique, on ne voulait pas qu'elle sonne faite en 1902. Donc on n'était pas des espèces de gars qui vont, des faussaires qui vont refaire un truc comme ça, comme à la manière d'eux. Il y a juste une petite envolée lyrique de piano, Ah oui, hein. c'est vrai, ouais. D'ailleurs qu'on a eu beaucoup de mal à faire. Ouais, parce que le piano, on en met partout. Il y en a un peu marre, là. Non, le piano, il y a un petit côté aussi. Ouais, alors c'est lié, c'est un petit peu ancien, quoi. On a évité, mais on n'y a même pas pensé. Non. On a voulu, je sais pas pourquoi on a fait ça, on a voulu faire quelque chose de plus intemporel en fait. Il y a eu quelques Rhodes quand Il y en même. a un petit peu quand même du piano. Ouais. Il y en a sur le retour sur Terre, il y en a. Oui, à cette envolée au décollage. Voilà. Le fait que ce soit une copie couleur par rapport à la copie noir et blanc, on avait vraiment l'impression de voir la pochette de Sgt. Pepper des Beatles. Et du coup, c'est pas du tout contradictoire avec toute une histoire de la pop. Et finalement, nous en tant que musiciens, quand même. Je dirais un peu quand même, on est un peu comme on est un peu pop quand même. On a tout d'un coup toute une culture a pu s'exprimer à travers ce film finalement. Nous, on voyait ça vraiment comme un film surréaliste, donc on a vraiment insisté sur le côté psychédélique. Donc, non, mais je pense que la musique peut déranger sur certains aspects.
notamment l'utilisation quelquefois des batteries qui font quasiment hip-hop ou un peu rap sur les bords. Et donc c'est assez violent, quoi. C'est assez percussif, ça peut déranger. Mais voilà, on est comme ça et moi je suis assez fier de ce qu'on a fait. Bon, j'ai vécu une expérience forte, donc ça c'est une démarche intellectuelle, une démarche sentimentale, une démarche personnelle. C'était vraiment. On se demande pourquoi on fait ce métier parfois et là on comprend pourquoi ça vaut le coup de faire tout ça. C'était assez génial, quoi.